Bonjour Gary, bonjour à tout auditeur, à toute auditrice émission Impatio. C'est un plaisir pour moi matin avec nous. Madistin, comment nous capables de comprendre le dossier BNCA sur un plan juridique, puisque en fait, les trois CP ont été écartés momentanément et dont l'autre président pour le monter. Et ils ont même toujours fait partie de CPTA et ils ont signé la résolution qui prend. Est-ce que là il y a un guise sous roche ou malice dans le dessin? Expliquez-nous le point de vue juridique de cette question. Bon, sur le plan juridique, le rapport de l'unité de lutte contre la corruption et renseigner pays sous le scandale BNCA. Le rapport comporte des allégations, des faits constants et même un fait pertinent. Alors, pour nous bien comprendre, en matière pénale, qui place, fait jouer dans la recherche de la vérité, comme d'a rapidement expliqué thème ça que m'utiliser là et qui n'a besoin en de rapport. C'est ça qu'on m'a dit là, yon fait, c'est tout ce qui peut être prouvé par tous les moyens de preuve. C'est ça qu'on m'a dit là, madame, moi, j'ai l'habitude de rentrer là quand elle est chaque jour à 4h de l'après-midi. Hier soir, elle rentrait à 10h du soir sans aucune explication. Dit qu'elle rentrait à 10h du soir, c'est un fait. N'importe voisinage, quand elle est rentrée à mon qui n'a pas là, quand elle est rentrée à m'a établi ça. C'est un fait. Mais si me dit, le fait qu'elle rentre à 10h du soir, contrairement à l'habitude, c'est parce qu'elle s'est fait adultère, ça n'a pas fait, je ne peux pas vous lire. Son déduction que je fais, son impression que je gagne, eh bien, tout ça que je déduis, que je baille impression, mon opinion, je ne sens pas qu'à établir, il y aurait un droit en allégation. Maintenant, si fait que me produit, monde que m'oppose là, a contesté, donc il accepte, fait ça, il y aurait un fait constant. Tout fait qui avance et qui pas contesté, il est considéré comme un fait constant. Le fait pertinent, c'est le fait qui emporte la conviction du juge. C'est-à-dire son fait constant que le juge l'a pas considéré pour prendre décision. Ah ben, sous regardez rapport ULCCA, nous avons dit deux moins de 100 millions hein, sont allégations. Rapport ULCCA par la preuve que demande la TFEP. Mais rapport a gagné au moins un fait pertinent. Il établit que tu as gagné effectivement un pacte de corruption à partir de faits constants qu'il présentait. Exemple, rapport a dit que le conseiller Emmanuel Vertilaire, par exemple, lui joigne dans main directeur BNCA des faveurs pour ses proches dans le Nord, qui fait des nominations au fait dans BNC, des promotions qui au bail de monde dans le Nord dans BNC et des transferts qui fait en dehors des règlements de la banque. Donc, les bénéficier des faveurs du président de la banque.
Donc ça, c'est un fait constant. Rapport établi que malgré conseiller présidentiel, yo gen en pile comme nan men, yo gen structure l'état, yo gen bureau, yo al fè en réunion en catimini, en cachette, non chambre d'hôtel, non pas dans le lobby de l'hôtel, mais dans une chambre, pour discuter des questions qui liaient à la reconduction du président du BNC à la tête du conseil d'administration du BNC, de la banque. Rapport établi, par exemple, que trois conseillers ont eu des traitements de faveur pour joindre un cadre de crédit. Que on pas bail tout neuf membres. Conseil Péon, c'est trois mounsailles. Et pour des montants qui sont en violation des règlements de la banque. Seul le conseil d'administration pouvait, par résolution, autoriser ce montant. Le directeur, le président du conseil d'administration de la banque, a autorisé personnellement ces montants en violation des règlements de la banque. Donc, encore traitement de faveur vis-à-vis de trois des neuf conseillers. Tous ces éléments, dans le contexte où le président y a un dossier qui n'a mis CPA pour sa reconduction à la tête de la banque, établit le pacte de corruption de manière évidente. C'est un fait pertinent. Donc, sur la base de ça, l'unité de lutte contre la corruption recommande des poursuites contre ses conseillers contre le président de la banque. Même si là, mon désaccord avec l'unité de lutte contre la corruption sur les poursuites contre Pierre-Louis. Parce que, c'est pas qu'elle va faire faute, non? Mais, il y a une réalité qui est tenue compte de lui dans tous les pays en matière de lutte contre la corruption. Le dénonciateur ou les témoins des faits de corruption, ils ont fait pour bénéficier de l'immunité, c'est-à-dire d'absence de poursuite pour ne pas avoir un mauvais signal par les gens qui ont contribué dans la lutte contre la corruption. C'est comme dans la radio, là, dans mon exemple bien simple. Mal font passeport, c'est 10 000 gouttes, frère, pour me bailler pour passeport. Bon agent ou inspecteur immigration qui m'a donné 25 000 gouttes. Je n'ai besoin de passeport à m'a comme là. Les bon passeport à m'a dans l'ULCC me dénoncer. Mais si vous poursuivez, moi je viens dénoncer là, ou poursuivez fonctionnaire, on moun qui ou est ça demain, les victimes non acte de corruption, les pas dénoncer. Faut ou protéger le dénonciateur. Donc je crois que dans l'interprétation des textes, l'ULCC aurait dû, à mon avis, c'est très rare pour poursuivre à la fois le dénonciateur et le corrompu présumé. Donc, faut protéger le dénonciateur. Même là, il fait des fautes. Mais il faut tenir compte du fait que lui-même, c'est lui qui fait dénonciation. Hein, pour ne pas avoir un mauvais signal by moun qui capable de dénoncer demain, ou pas tout mettre dans le même panier, à la fois celui qui dénonce et ce qu'il a dénoncé. Donc, c'est ça, globalement. Donc, maintenant, une fois que ceci est arrivé, la question juridique qui se pose, la poursuite qui va être engagée contre ses conseillers, est-ce que ses conseillers capable de revendiquer l'immunité de leur fonction pour dire que ne pas répondre à la question de la justice. Ça permet que je vous dise une question, ça. Il y a hypocrisie dans la question recours à la Constitution pour les gens qui ont le pouvoir, je veux dire. Nous pas dans la Constitution, il faut que nous clés sur ça.
constitution pas en vigueur. Nous avons pouvoir tacita sur la constitution. C'est ça que fait le pouvoir de facto. On y a le fait que nous pas dans la constitution, est-ce que ça ne veut dire pas aucune règle constitutionnelle, à valeur constitutionnelle, pour nous respecter? La réponse est absolument non. C'est à vous, les n'a metté conseil ça, a réellement depuis au bail pièce pour si on rempli critère pour ta vie même conseil là et puis on dit non pas bail personne pièce il y a des monde qui dans gouvernement connu la Josia qui pas ta droit là mais il y a pas bail personne pièce il y a pas droit faire ça c'est parce que son gouvernement de facto qu'on pas une règle qu'on pas respecter donc en principe pour moi même ou pas capable gonnèg qui dans conseil présidentiel qui a signé arrêté qui a nommé premier ministre qui a nommé directeur général pour t'a dit qu'elle pas bénéficier de l'immunité. Mais l'immunité c'est pas un droit absolu, son protection que lié. La personne qui bénéficie de l'immunité peut renoncer à l'exercice de ce droit. En se présentant par devant les enquêteurs de l'ULCC volontairement, ses conseillers ont renoncé à privilège de immunité qui ont gagné dans quatre traitements de ces arts. Ils n'ont pas qu'à revendiquer encore. Donc, autrement dit, ils ont qu'à mettre l'action publique en mouvement contre eux, dossier au cas d'un cabinet d'instruction pour un juge d'instruction enquêter sur eux. On leur présente les bons juges d'instruction. Ou pas aucune garantie qu'on va tourner la caillou comme inculpé. Il a décidé la prive de liberté. La loi va le bal doit ça. Or, si vous êtes un haut fonctionnaire de l'État, vous apparaître devant juge d'instruction dans la plénitude de votre fonction, alors qu'il y a le risque qu'on met aux arrêts, il se pose un problème moral très grave. D'où l'angle politique de la question. La question éthique, l'éthique politique, ou si vous voulez, la morale politique, veut que, au-delà des obligations légales des hauts fonctionnaires de l'État, ils ont fait pour soumettre, eh bien, à la morale publique pour que le jugement de valeur que la société a capoté sous eux n'est pas influencer fonction que yo occupé. On regarde aujourd'hui, ici si vous regardez les réseaux sociaux, qui image ta malice populaire à considérer. Que gagne de toi conseiller ça. Ouais, ou paquet de côté, ou paquet de image abdou, mais pas pas satio, mais satio, mais voler. Donc la morale publique considère ces gens comme des personnes qui dégradées, comme des corrompus, comme des voyous, comme des voleurs, comme des immoraux. Donc, moralement, ils n'ont pas capable d'exercer fonction encore. Ils ont supposé mettre à la disposition de la justice, quitte à ce que décision justice, la Karine qui devant, soit blanchie ou bien condamnée. Voilà en principe comment il faut comprendre la question de BNC. Et je comprends très bien la position du président Leblanc et qui dit lui-même, il n'a pas signé un document, il y a un conseiller Sao qui signe là-dedans. Mais même les pensées, ce raisonnement-là, c'est pour aller plus loin. Parce que comme président de PTA, il n'a pas pris une décision pour écarter messieurs. Il n'a pas fait ça, il n'a pas fait voter et mettre en l'autre président, eh bien, qui l'autre président ça qui bénéficie de force pour mettre en fonction, il parle ça qui protéger au point intérêt personnel li, au détriment de la transition, ça parle mettre en situation de blocage côté yo pas ca livrer marchandise là, parce qu'il y a pas le perdre du temps ou bien pas ca faire élection yo ou bien si élection yo fait pas de monde dans la classe politique là qui accepter en élection avec des conseillers qui sont considérés comme des corrompus. Yo pas dit élection c'est vanyo yo pas dit gain député caché poste. Donc on passe pour ou bien élection en passe ou bien pour crise
électorale si ces conseillers sont maintenus dans leur fonction. Voilà ma compréhension de la chose. M. Maldistin, est-ce que le président CPTA a lui-même seul t'a capable de prendre décision pour mettre de côté et conseiller Fautissio? Pour moi-même, oui. Il aurait dû le faire avant même qu'il ait été présenté devant enquêteur ULCCO. Parce que ce n'est pas un point de vue légal, c'est le point de vue politique. Le CP n'est pas légal. Ou pas besoin on répond 100% légal sur action, sur agissement qu'il a fait. Mais vous êtes président d'un collège. Vos responsabilités de sur la moralité du collège que vous présidez. Vous avez des membres du collège qui sont poursuivis et qui vont se présenter par devant des enquêteurs. Ils n'ont pas bien droit de présenter avec leur prestige par devant les enquêteurs. Vous auriez dû les écarter, mais momentanément, en attendant le rapport de l'enquête. Le président aurait dû prendre cette décision. Et tout à l'heure, et où tu as parlé de Raoul Pierre-Louis comme dénonciateur, et est-ce que l'ICA bénéficie de une réduction de peine ou bien de humilité? Scoop. La loi sur la corruption, malheureusement, Scoop. Prévoit une réduction de peine. Mais moi-même, le plus loin dans la compréhension texte-là, moi, pourquoi tu as supposé bénéficier plus qu'une réduction de peine, mais d'une immunité. Sinon, ou pas capable de faire lutte contre la corruption. Pour faire samedi, il faut une interprétation non littérale, mais dynamique des textes. Comme mon exemple bien simple de samedi. C'est donc qu'on est à poser une machine là pour accident sur le monde. Scoop! Bon, est qui vont râler un bâton, là, on est un coup de bâton sur le monde. Mais qui tue moun avec accident, machine, lui fait 11 jours de prison, mais il va faire même. L'autre qui va être coup de bâton, là, la prison, il fait 15 ans. Qui s'agit de la garder? Il garde l'intention criminelle. Avec quelle intention moun a été tué moun? Donc, de ce fait, pour qui gagne infraction, question intention, l'important dans l'appréciation des mêmes faits entre plusieurs individus. Lorsque on est qui vient dénoncer un acte victime, eh bien, si vous décidez qu'on va arrêter le libre à la prison, tout, eh bien, demain, elle vit ou l'autre qui est victime, là, je ne pas dénoncer. Donc, laisse ça ou bloquer la bataille contre la corruption. Et samedi, là, il y a un précédent. Il y a un juge qui rend une décision comme ça déjà en Haïti. C'est dans le cas de l'affaire, par exemple, Gérald Jean contre Yolette Mengual. Côté où Gérald Jean, on est à l'élection dans une ferrier dans le Nord-Est, il y a une élection à plus de 1000 voix en plus candidats en face. L'arrivée dans le BCN, il y a une bonne activité dans le BCN. Côté c'est l'agent qui a bâillé à 20 pensions électorales de l'agent comptant. Lui-même, il signe l'élection déjà. Il a besoin de confirmer victoire. Là, il parlait avec le conseiller, il dit qu'il a vu à faire. Le conseiller a dit, lui, je ne peux pas confirmer le résultat. Il a besoin de me faire encore. Il bâille comme là. Il n'est pas. Cette démarche où là, le corrompt pour fonctionnaire de l'État. Il n'est pas un instigateur de corruption. Il est devant une situation quand elle n'a pas qu'à résister. C'est donc qu'on a dit là. On est par exemple kidnappé petit tout. Il m'a donc comme pour la ville. L'article 45 du code pénal dit le fait qu'on bat le corps blanc, c'est complice, oui, par fourniture de moyens. Ou bat le moyen pour le faire en infraction. Mais les juges qui interprètent, ils connaissent, s'ils ne sont pas bâillés, kidnappés à Kobla, la tuer tout le monde, eh bien, ils ont immunité, ils ne sont pas poursuivis. Le juge qui a traité le dossier de Yolette Mengual, eh bien, il rend une ordonnance pour dire qu'il ne peut pas poursuivre
li pa ordonné la poursuite de Gérald Jean parce qu'elle dénonce situation côté pas qu'à résister à la tentation de corruption que conseil électoral la fait soumettre lui. Et bien après elle a dénoncé ça, lui même qui dénonce elle. Je crois que c'est la même réflexion en principe qui aurait dû être faite pour Raoul Pierre-Louis, pour d'autres personnes qui vont dénoncer des actes de corruption à l'avenir, pour que pour nous encourager le monde, en tout cas son bataille dans la Fondation J'éclairé que nous allons mener, pour que pour modifier le texte, pour qu'on ait notre compréhension de la part des juges, de la part des enquêteurs de l'ULCC sur les dénonciateurs qui a dénoncé des actes de corruption, comment vous traitez pour les témoins qui témoignent des actes de corruption et qui a témoigné, qui type de protection qu'ils ont gagné devant la justice, devant l'ULCC, parce qu'il ne faut nous pas décourager les gens qui ont dénoncé la corruption. Donc, si n'est la victime de corruption le dénonce et pour poursuivre lui, ou arrêter le même Jacques Moun qui dénonce, eh bien, les gens qui sont victimes de corruption, ou bien un mauvais message, ils n'ont pas pour le dénoncer et pas en plus. Donc, je pense que c'est une réflexion pour nous faire. C'est une question rapide que me fait gagner comme nouvelle. Ou là, M. Madicin? Oui. Oui. OK. Est-ce que le possible pour le nouveau président qui va l'installer aujourd'hui à 2h30, réuni rapidement avec tout le monde qui sied et résolution, et puis il a demandé pour révoquer Hans, révoquer Dominique, et il a demandé pour Gary Conny aller. Est-ce que la loi permet de faire ça, puisque c'est ce qui se dit maintenant, et après une réunion après installation à 2h30. Vous écoutez Scoop FM. Scoop! À la vérité, ce n'est pas rien de légal, ça qu'a fait jeudi. Comment bien, oui? CPTA, gouvernement connu, il n'y a rien de pas rien de légalité. Pour dire, c'est-à-dire que, ou pas en situation, vous dites, mais sa constitution prévoit, mais ça n'est pas fait. Il n'y a pas fait rien en fonction de la loi. C'est au gouvernement de fait, là, gouvernement de facto, qui a agi selon vision politique, selon intérêt politique. Donc, il n'y a pas de réponse légale pour dire est-ce que légalement il doit faire ça, mais si il a maintenu en poste, c'est eux qui pour prendre décision, c'est eux qui ont exécuté des décisions qui ont nommé les gens et qui n'ont rien empêché nommer ou révoquer n'importe quel dans l'administration de l'État. Et c'est pour question de légal ou illégal. C'est un pouvoir de fait, un pouvoir de facto qu'il y aurait. Scoop! Je crois que le décret permet aussi, pour des raisons d'inefficacité ou de corruption, de renvoyer le Premier ministre. Le décret qui met le CPT en place, il y a une disposition qui permet ça. Scoop! Bon, et M. Madiste, on dit faut quand même et conseiller. Même nèg qui n'a corruption, il doit prendre décision pour l'État haïtien, M. Madiste. Ah, mais c'est tout le problème de l'éthique politique. C'est-à-dire de la morale publique. Vous avez des gens qui sont accusés de corruption, qui, au lieu que ils ont écarté, ils ont éclipsé tête du pouvoir, voilà que c'est eux-mêmes qui ont instauré la corruption comme mode de gouvernement. C'est eux qui ont mis des mouns dans la place que vous voulez. C'est le monde à l'envers. C'est la réalité, c'est notre réalité aujourd'hui. Bon, et c'est contraire à la normale, M. Madiste. Donc, M. Sao, impliqué dans la corruption ou estimé l'important pour ta soumettre à la morale publique.